Maintenant, c'est pas le moment de faire une crasse. Non, mais c'est pas possible! Et ben voilà! Non, mais là! Non! Non! Hello, bonjour à tous et bienvenue. Ouh, mes ratchets, mais il est tout petit. Et en plus, évidemment, j'ai le droit à quelques latences. Donc, bonjour à tous, on se retrouve pour la 11e, oui, mais oui, ça fait 11e partie de Ratchet & Clank. Sur, ben, entre guillemets, PlayStation 2. On est pas entre guillemets, hein, forcément. Voilà, heureusement qu'il ne me donne plus d'armes, lui, parce que je dépense déjà tellement de pognon que j'en ai quasiment plus, hein. Bon. Bon, et là, on va réellement voir, surtout si les soucis d'Intel précédemment, je pense que vous en avez entendu parler, hein, vont changer vraiment la donne ou pas. De ce que j'avais vu, non, pour moi ça ne me change pas du tout. Voilà, personnellement je vois pas la différence, hein, donc franchement je ne devrais pas être embêté. Rassurez-vous, déjà c'est un point qui est extrêmement important et qui me, j'avoue, m'a réellement angoissé. Mais c'est quoi toutes ces explosions là? D'accord, ok. C'est ce qu'on appelle un champ de mine. Putain, le champ de mine il est rasé. Il est fou. D'accord, et en plus, en coulant ici, on coule. Ok, c'est cool. Oui, il y a un peu une répétition de cool là-dedans. Il y a une répétition de cool. Alors, attention. En espérant que cet épisode soit plutôt cool, hein, comparé au précédent. Putain dedans. Bien. Oh pétard, et on a survécu! Ah mais je suis con. Mais oui. Vas-y, tue-moi, parce que j'ai pensé à quelque chose de d'intelligent pour une fois, hein, donc on va tester. Hein. Ah mais avant, la carte. Et oui. Chose dont on ne pense pas assez souvent. La carte. Et oui. C'est que tout le monde se servait dans la chasse au trésor, c'est surtout ça. Non, la carte au trésor, pardon, c'était la carte au trésor, oui, forcément. Putain. J'ai pas forcément souvent regardé cette émission étant jeune, j'avoue. Mais ça avait le mérite de présenter quelque chose d'original et d'intéressant et d'instructif. C'était très très compliqué, là, dis donc. What? 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 Oh, mais casse-toi, casse-toi, casse-toi. Oh, putain. Help me! En même temps, je n'avais pas forcément mon choix, donc bon. Question existentielle, est-ce que ça rentre dans la spiro canon? Théoriquement, non, mais sait-on jamais. En même temps, si j'ai pas le temps de tirer, ça va bien. Hein. Ça va faire, là, hein. Mais là... Attends, oh là là, s'il y avait une double explosion, j'étais foutu, moi. J'étais foutu. Ah. Oh, plein de... Eh ben, je me doute que j'ai le plein, hein, vu tout ce qu'il me fait, là. Eh ben, en tout cas, je sais pas si on se rapproche de la fin, j'aurais envie de vous dire oui. Sauf si on doit réellement explorer toute la grille. La galaxie. Surtout que j'ai failli me faire griller. Ah. Ah. Mais je connais cet ennemi, mais oui. D'accord, on l'a... Mais t'as fini, oui. Oh. Mais, je t'ai dit non. T'écoutes un peu quand on te parle, toi, hein. Bon, voilà, merci.
Bon, on peut quand même y aller, hein. Mais on voit que c'est... Alors bon, puisqu'on ne peut pas se servir de ça, autant utiliser le plasma mitraille. Ah, voilà. Bien. Ça coûte pas cher, et en plus, c'est direct. Ouh la vache. Bon. Bien, bien, bien. Ah, et en plus, vous voyez que... Hop. 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 Eh bien, voilà qui était rapide et efficace. Je vous trouve très bon, messieurs. Merci, Clank, merci. C'est très gentil. Oui, en plus, je fais des piètres imitations de Clank. Vous avez vraiment pas de bol, vous. Ah, ça pourrait être pire, hein. Je pourrais prendre l'accent belge. Je taquine, bien sûr. J'aime beaucoup les voisins belges. C'est limite si je, les préfère pas à nous, vous voyez, c'est c'est limite ça. Non, je taquine quand même un peu, hein. Bon. Je plaisante, hein, je vous aime beaucoup. Hein. Oh putain, 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 je suis foutu. Eh ben voilà. Je suis foutu. Allez, Ratchet. Oh la boulette. Oh la connerie. Et c'est pas Sean qui va nous aider, hein. Là, non, 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 pas du tout. Ouais, ce fut rapide, mais efficace. Après tout, c'est le résultat qui compte, absolument. Ah ouais, ah bon, bon bah voilà, hein. Bon. C'était rapide, on en est clair, c'était fait. Alors, bon. Donc lui, il y a juste à passer entre les... J'étais prêt à dire entre les gouttes, mais non, pas loin, pas loin. Pas loin. Et pourtant, vous voyez que c'est pas forcément suffisant, vu qu'on a réussi à se faire toucher comme un débile. Bien, bien, bien. Bim. Alors, alors... Eh, il y en a une qui a réussi à passer à travers. Comme dirait l'autre, il est passé à travers. Mais... Voilà. Pas compliqué. Attention, par contre, il va vraiment falloir faire très attention. Putain, mais il est chiant, mon dieu. Voilà. Et surtout lui, hein. Surtout le monsieur là-bas, ouais. Ah d'accord, ok. Les cucaracha, les cucaracha, mais oui. Ah. Ouais. Bon. Attention, ne pas se faire avoir une deuxième fois. Ah, c'est bon. Je peux donc les détruire, ce qui est très bien. Bien, bon. Donc, ce qui est bien est forcément bon, hein. Ça, vous devez le savoir. Ah, ce qu'il faut y arriver, hein, ouais. Bon, et là, vous voyez que je n'en touche absolument pas une. C'est quand même absolument magnifique. Non mais là, je sais pas ce que j'ai voulu faire en tuant comme ça. Eh bien, voilà. Qui n'est absolument plus à faire. Ah, ça, j'apprécie. Et on est à 22 000. C'est dommage qu'on gagne pas plus que ça. Hein. Franchement, on aurait mérité à avoir mieux quand même. Ouais, ouais. J'ai eu peur que ça pue le piège foireux, mais non. J'ai eu l'espace de... J'ai eu l'impression d'avoir un écran noir l'espace d'un instant, c'était perturbant. Ah ! Nous avons trouvé la bonne combinaison, faut croire.
Oh pétard. Bien. Ça c'est fait. Et il reste donc plus que celui là-bas. Ah non, il reste encore un tout au bout. Évidemment, il est sérieux, c'est pas suffisant, hein. Bah non, évidemment, et ça serait trop beau, voilà. Et pouf! Ah! Où est la porte? Elle est là, la porte. La porte est là! Ah, c'est des pourris! Ah, ils ont été complètement pourris là-dessus. Je suis très irrité. Alors, bon. Attention, parce que j'ai peur d'un détail technique à la con. Oh putain, vous êtes dégueulasse! Ah non, mais vas-y. Ah, bien le checkpoint, je vous en remercie. D'accord, donc attention barbelé! Bien! Eh! Vous voyez quand on veut, quand on récupère plein de trucs? Bon. Attention, attendez, attendez. Ah putain, j'ai raté des trucs. Moi si je dois rater la moitié des trucs, ça va pas là, hein, les gens. Alors absolument pas, hein. Non. Non, 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 non. Voilà. Voilà, oui. Ah, en fait, vous qui avez sans doute déjà joué à ce jeu, dites-moi où j'en suis arrivé, s'il vous plaît, merci. Voilà. Non, franchement, si vous avez déjà joué à ce jeu, dites-moi un peu si j'approche de la fin ou quoi. C'est bien parfois de savoir un peu où on se situe, vous voyez. Putain, mais le type, il est con. Il a failli faire la connerie à ne pas faire, quoi. C'est... Il y a un truc qu'il faut pas faire, le type, il arrive encore à le faire. En même temps, c'est beau au bout de 27 ans de toujours se surprendre comme ça. Et oui. Bon, pas la Spyro, le... Putain, mais il est abruti, lui. Voilà. Zouf. Bien, bien, bien. Bon. Donc, il y a deux zones. Il y a deux zones. Il y a cette zone-là que... qui semble être un coffre. C'est obligé qu'il y ait quelque chose dedans. Là, je peux vous certifier que oui. Mais reste à savoir quoi. Et je pense pas que je puisse y accéder maintenant. Donc bon, on verra peut-être un peu plus tard. J'ai bien dit peut-être. Hein. Bon. Bon. Alors, bienvenue dans les baraquements Sleague 2.0. Tout est automatique. Oh bordel, alors là il va falloir y aller je pense. Il va falloir s'employer là-dessus. Ah. Bien. Eh. Il y aurait pas un truc à faire avec ça? Non. Ça va exploser! Ah non, ça va. Eh, ça aurait pu, hein, ouais. Ça aurait été drôle. Ah bien vu toi. Allez Ratchet. Hop hop hop, c'était très chaud. Et donc plus qu'une. Non, je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas. Le type, il a fait une grosse connerie. Je pensais absolument pas qu'il y avait ça dedans, quoi. En même temps, vous êtes un peu pourris, les gens. Je dis ça, je dis rien. Oh la vache. Attendez, bon. On va régler son cas à l'autre là-bas. Enfin, aux autres plutôt. Bien, voilà, comme ça, au moins, vous êtes sûr que c'est réglé. Bien, bien, bien. Ah d'accord, je la pensais pas celle-là.
Ah non, fallait pas le faire celle-là. Ratchet, tu me fais peur. Alors. Et voilà comment je suis foutu. Bien. C'est magnifique, comme dirait l'autre. C'est magnifique. Bien, bien, bien. Bon. Donc, on en est à... J'en ai marre. J'en ai marre de perdre des points de vie aussi bêtement que inutilement. Pile au moment où je commence une phrase. C'est quand même bizarre, ça. Moi, je dis qu'il y a... Allez, on va swinguer un peu, voilà. Oui, j'ai un jeu de golf en plus, si je veux, dans mon catalogue. Bon. Toi, tu fais ton affaire, hein. Ah voilà, merci, boum boum boum, 24 000. Oups, c'était pas vraiment prévu ça, désolé Jean. Phew. Et donc la porte est ici, c'est ça? Non, ou pas loin. Bon. Putain, j'y croyais pas du tout. Ah bien, c'est réussi. C'est réussi les gens. On a réussi. Eh hey, mais me tire pas dessus. Mais non, mais vous êtes pourri. Oh non. Le comme par hasard. Voilà. Mais oui, bien sûr. Le fameux comme par hasard. Oui, j'ai appuyé sur le bouton saut un poil trop tard. Un poil de Ratchet trop tard, oui. J'avoue. Je vous avoue. Le swinger, allez le swinger, hop. Putain, j'en ai marre de me faire à chaque fois tuber. Eh bien, voilà qui est fait. Vite fait, bien fait. Et par contre là je crois qu'ils vont m'en vouloir. Hein. Ouais. Ah oh, putain. Ah non mais là ils sont devenus tout fous là. Ils sont devenus foufous. Boum, hop. On va passer de l'autre côté mais on va vraiment les défoncer cette fois, voilà. Hop, un peu par-ci par-là. Lui, il va vouloir me tirer dessus, mais t'auras pas le temps. Et enfin, le dernier pour la route. Voilà. Bon, maintenant faut juste trouver la porte quoi. Ouais c'est ça en fait, faut juste trouver la porte. Oh pétard, c'est passé tellement près. Mais alors tellement près. Bon j'étais pas prêt aussi j'avoue. Oh putain, je l'avais oublié celle-là, c'est magnifique. Bon, where is the porte? Ah ouais ok bon, de l'autre côté du coup. Mais attendez, mais la porte n'avait pas fonctionné normalement. Ah mais si, mais elle est ouverte, voilà elle est là. Elle est là la porte ouverte, mais oui. C'est la porte ouverte au grand n'importe quoi aussi, mais oui, forcément, voilà merci. Merci, comme dirait l'autre. Oh putain. Bon là vous avez intérêt de sortir votre plateforme mitraille parce que sinon vous êtes foutu.
Mais il a fini lui. Oh. Mais. Mais. Bah quand même. Alors là on va éviter d'y aller facilement. Hein. Bien, hop. Et donc voilà, et enfin les deux dernières pour la route. Voilà. Nous en sommes débarrassés. Sauf si évidemment il y en a une récalcitrante qui vient me... qui vient me péter le... Le je vous passe les détails. Oui non, c'est que ça n'intéresse personne ce genre de détails, vous voyez. Donc forcément... Ah, Capitaine Quark. Et la statue du Capitaine Quark, elle parle? Même pas. Je suis déçu. Et la porte n'était pas censée s'ouvrir normalement. Ah, c'était une autre porte, ok. Bien. Vous faites bien les choses parfois. 20 minutes les gens, 20 minutes. On est plutôt bon. Mais attendez, je suis en train de penser à un détail hyper important et hyper... Bon, hyper important, non, j'avoue. Mais est-ce que... Ah non, ça va. Bon, oui, excusez-moi, c'était un peu... votre moment de pause. Ah, le... Non, c'est pas le crocheteur, on s'en fout du crocheteur, c'est l'électrocution déplaceur, là. Voilà. En gros, l'aspirateur, voilà. C'est ça. Oh, putain. D'accord. Ils font moins les malins, quand même, comme ça, hein, ouais. Ils font moins les malins, comme ça. Hein. Allez bim. Oh là là. Oh les pauvres. Ils ressemblent tellement à rien maintenant. Ouais, tellement. Alors tellement. Ouh la vache. Ah, donc la suite est par là. Ok ouais. Attendez, je regarde. Ouais. Donc ouais. On va repartir par là, puisqu'apparemment on en a quand même besoin. Ouais. Et bon du coup on va devoir faire remonter l'eau. Et ensuite pouvoir accéder à l'autre zone. Voilà, l'hydro-déplaceur, voilà. Ou plutôt. Voilà. Et le slurp et le hype. Voilà. Après je sais pas quel nom vous donnez vous au, au pré-crash, ce qui est totalement dégueulasse, hein, je vous interdis de faire ça, c'est pas très... C'est pas très écologique déjà. Vraiment pas. Et en plus c'est dégueulasse. Voilà. Voilà. On ne crache pas et encore moins par terre. Voilà. Ça, c'est dit. C'était le petit conseil utile du jour. Voilà. Et voilà, hop. Il avale tout comme Miranda. C'est... Je viens. Le truc c'est que Miranda aussi passe partout. Vous me direz, Miranda aussi. La preuve. Vous voyez, ça marche tout le temps. Mais oui. Ça marche tout le temps. Enfin, ça fonctionne tout le temps plutôt. Bon, c'est sûr qu'après tout ce qui lui arrive, c'est sûr qu'elle est plus en état de marcher. Ouh là là. Ah, les pauvres. Ah, ils ont bien morflé hein, quand même. Ah d'accord, ok, bon. C'est toujours ça de récupérer, j'ai envie de dire. Bon. On en est à 23 minutes. J'aime beaucoup cette ambiance très sombre, en fait. Cette planète est très... Cette planète est très... Oh, une autre planète. Une planète bleue. Mais c'est pas la nôtre. Non. On a failli assister à un drame. J'ai failli faire cramer l'eau du bain. Ah, est-ce que ça agit du coup sur toutes les eaux en fait? Je me pose la question.
je me pose la question et du coup on va répondre à cette question dessus. Et non! Et non! On a perdu les os! Oui, il fallait vraiment que je la fasse, oui. En même temps, vous devez bien vous y attendre. Hein, bon. Je sais. Ah, d'accord. Et bim! Ah mais heureusement quand même qu'on a enlevé l'eau parce que je suis persuadé qu'ils nous attaqueraient comme des requins sinon. Ah parce qu'ils sont beaucoup moins méchants bizarrement hein, sans eau là. Sans eau on peut pas, hein, non. Non non non. Non bon. J'aurais bien envie de tester le truc de coulage là mais j'aurais peur justement de couler. C'est logique. Oui. Alors, tuite. Et on a passé la barre des 25 000. Vous voyez qu'on est bon parfois. Ouf, merci Ratchet, tu m'as fait un peu peur l'espace d'un instant là. Je t'avoue, j'ai un peu commencé à flipper. Je me suis dit putain regarde bien j'ai crevé et je vais devoir recommencer tout depuis le début quasiment. Mais non ça va, on a évité un peu la catastrophe. Hop donc encore une fois on enlève l'eau. Ouais ou presque hein, j'ai envie de dire là puisque... D'accord. Bon. Ah bah ça va, il n'y a pas d'ennemis en fait, mais oui. Mais en fait on a juste un vélo pour pouvoir swinguer comme ça, oui. Enfin swinguer, c'est une façon de parler bien sûr, hein, c'est compris. Bon, ouais. Alors, du coup, le swinger, ça va swinguer. Ta-da-la-la-la-la-la-la-la-la. Je viens vraiment de faire du Gilbert Montagnier. Je viens vraiment de chanter Gilbert Montagnier. Enlève tout, voilà. Et du coup maintenant on va pouvoir y aller au Pyrolancer. Oh le pauvre, il est foutu. Ah c'est vraiment pas de bol mon grand. Ah c'est vraiment pas de bol pour eux, hein. Je suis vraiment déçu là, je suis désolé mes gens de... vous faire souffrir comme ça mais bon on a faim donc faut bien qu'on se nourrisse de quelque chose hein, et comme vous êtes un peu les seuls comestibles de la région ben, franchement écoutez voilà. Ah ouais ok bon bien j'ai compris apparemment on peut pas donc si je comprends bien. D'accord, bug. Alors, et voilà. Hop. N'empêche, j'ai vraiment peur de... Ratchet & Clank 2 et 3 au niveau du... Ah. Au niveau du PC, s'il va tenir vu le... les quelques latences que je peux avoir dans le 1. Donc, en théorie, c'est censé être Ratchet & Clank 2, hein, après, ouais. Ah, d'accord, voilà. Ok. Oh pétard. Oh pétard. Pourquoi faut attendre 3 plombes? Je vais mettre 3 plombes là, aller jusque là-bas sérieusement. Allez Ratchet, voilà. On se dépêche. On se déplace et on se dépêche. Voilà. Ça me donnerait presque soif. Hein. Mais n'avalez pas tout ça, parce que déjà, j'imagine pas le nombre de fois que vous iriez aux toilettes hein, quand même. Ouais. Là, les problèmes de vessie, ils arrivent beaucoup plus tôt, hein. Ouais. Bon. Alors, la... Capitaine Quark! Il est là, le Capitaine Quark!
Il n'est pas de cette planète, en tout cas, c'est sûr. Mais il est en tout cas de cette galaxie, oui. Alerte! Voilà, je savais que ça aurait tout explosé. J'avais espoir en tout cas, hein, mais voilà. C'est pour ça que je me suis un peu éloigné. Nous arrivons, Capitaine Quark. Oh, ça pue le boss. Bien, bien. Vous arriverez toujours à me surprendre, vous deux. Placez-vous au centre du cercle des héros, et je vous donnerai enfin ce que vous méritez. Ratchet, ce n'est pas le moment d'être méfiant. Nous avons atteint notre objectif. Ouais, je sais pas. Ça flaire l'embrouille à plein nez par ici. Écoute ton petit ami métallique, Ratchet. Il ne tient qu'à toi de changer ton destin. Bah, c'est juste qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. Ça suffit. Quark va nous aider à arrêter le président Drake. Eh bien, merci, Clark. Tu m'as fourni une aide très précieuse. Ah non! Mais pousse-toi de là, pauvre imbécile! J'adore voir mes plans aboutir. Que voulez-vous dire? Mais qu'est-ce que tu crois, boîte à boulons sans cervelle? Il n'est pas là pour nous aider! Il va nous tuer! Tu piges vite, dis-moi! Mais il y a juste une petite erreur dans ton analyse. Ce n'est pas moi qui vais vous tuer. Ah bon? Non, c'est lui! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ce n'est pourtant pas si difficile à comprendre. Je suis le nouveau porte-parole officiel de Drake. Et il n'est pas question que vous compromettiez mon retour. J'ai pas dit mon dernier mot, Quark. Non? Mais ça ne saurait tarder. Bien. D'accord, donc il faut bien lui. Ah ouais. Niveau point de vie, on perd pas tant que ça. Par contre, moi aussi. Ce fut rapide. Ouhou. D'accord. Oh, moi aussi je vais le faire, hein. Moi aussi je peux balancer des boules avec ma main. Oh, le pauvre, il a perdu des points. Ah putain, il a failli me... Aïe. Et alors là, il est en train de prendre extrêmement cher le petit... le méchant plutôt. Qui est loin d'être petit. Ouais, donc bon. Non, 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 non. Bon, s'il me reste un point de vie, j'irai là-bas. Mais ouais. Pour l'instant que je peux encore. Wouhou. Et donc là, il n'y a plus qu'à... Oh la vache. On se taille de là. On se taille. Bon, j'aurais parlé à Obi-Wan, j'aurais dit on se taille one. Oui, je suis fier de ma blague. Mais non, mais non. Il ne va pas me tuer quand même, hein. Eh, mais pourtant, t'es bien parti pour mon grand. Vas-y, montre-moi tes fesses, je te montrerai les... Non. Pourquoi je choisis l'endroit le plus difficile? Wow. Oh oh. Bon, en tout cas, je ne peux pas retourner là-bas. Donc pour l'instant, je suis avantagé. Mais comment faire face à un ennemi qui vient de loin? J'avoue, je suis un peu perplexe.
Ah oh, mais non, fallait pas faire ça. Fallait vraiment pas faire ça. Ah merci pour le point de vie, vraiment. Ratchet, vraiment. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. C'est bon, il est foutu, il est foutu. Voilà un boss qui n'était pas très difficile. Tout à fait, tout à fait, Clank, tout à fait. Tu comprends maintenant que Quark n'est pas un gentil, hein ? Alors... Bon, du coup... Ah, là-bas, l'info robot, oui ! Je me demande à quoi sert cet info-robot. Bah, il est peut-être là pour te remplacer. Nous sommes coincés! Nous sommes coincés! Les vaisseaux bombardent notre position depuis les airs! Là, on l'a échappé belle, hein! Nous avons besoin d'aide! Vite! En fait, j'ai besoin d'aide! Tout mon bataillon a déserté et m'a laissé tout seul au combat! Si l'ennemi ne tue pas ses dames, je m'en chargerai! Je ne vais plus dire que longtemps! Je demande de l'aide immédiatement! Terminé! Les vaisseaux de Drake sont en train de détruire la planète. Il faut aider ce commando. Ouais, j'espère que tu plaisantes. J'en ai marre, je me casse! Capitaine Quark va regretter de m'avoir cherché des poux dans la tête. Il n'est maintenant plus question du Capitaine Quark. La vie d'innocent est en jeu. Ah ouais? Eh ben j'en ai ras la casquette de jouer les héros. J'ai pas que ça à faire, moi! Ratchet, ça ne te ressemble pas. Mais qu'est-ce que t'en sais après tout, hein? T'as passé tout ton temps à chercher Quark! T'es loin de me connaître, mon petit gars! Je sais que tu feras le bon choix. Eh ben pour l'instant, tout ce que je veux, tu vois, c'est trouver Quark! C'est pas vrai, comment ça marche ce truc débile? Aurais-tu oublié? Il te faut un système d'allumage robotique. Je démarrerai le vaisseau si tu acceptes d'aider ce commando. Je rêve! Tu me fais du chantage? Ok! Allez, tais-toi et démarre ce vaisseau! Eh eh! Ah!